时间没有把我变得更聪明，只是感到痛就变得更小心。握不住的星星不过是谁随意掷的硬币。C'est aujourd'hui même que sort la suite de Dune au cinéma. J'ai prévu d'aller le regarder. Dites-moi si vous aussi vous allez le voir et surtout, après l'avoir vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bonjour à tous, c'est Edwin. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog où je vais vous parler du tome 2 de Dune de Frank Herbert aux éditions Robert Laffont dans la collection Ailleurs et Demain. Je vous retrouve donc en compagnie de Lily qui fait toujours gros dodo dans son fauteuil, évidemment. J'ai commencé hier soir la lecture de ce livre, j'ai du coup lu les préfaces et le premier chapitre pour l'instant, donc j'en suis à la page 27. Écoutez, j'ai très très hâte de vous faire ce vlog, il sortira si tout va bien normalement le jour où le deuxième film de Dune sort au cinéma avec Timothée Chalamet et je ne me rappelle jamais le nom de l'actrice, je vous le noterai ici évidemment. Donc voilà, c'était l'occasion parfaite pour sortir ce vlog et surtout pour me motiver à lire ce tome 2 parce que je comptais les lire tous à la suite à partir du premier que j'ai lu je crois en septembre et au final j'ai jamais réussi à suivre, j'ai jamais continué malheureusement. Donc là c'est l'occasion parfaite de continuer cette saga. Dans ce vlog on va donc parler de ce tome 2. Il devrait pas être si long que ça, hein, parce que franchement, c'est un tome hyper hyper court. On est sur 300 pages. Ouais, même pas 300 pages en comptant du coup les postfaces, je crois. Les postfaces et tout ce qui est annexe, etc. Donc, très franchement, ça devrait se lire très très vite. Mais j'ai déjà quelque chose à dire en ayant lu que, du coup, le début du livre, à propos du tome 1, à propos du chapitre 1, parce que, je sais pas, je l'ai lu hier soir, j'étais super fatiguée, mais mon dieu, j'étais perdue, hein, vraiment. Du coup, celui-ci, je crois que je vous l'ai pas dit, mais c'est une relecture, je l'avais déjà lu, j'avais lu le premier tome en 2021, je crois, et j'avais lu la suite, et je pense que d'avoir lu à la suite, ça m'a moins perdue, moins perturbée, mais alors là, de reprendre après plusieurs mois de coupure, j'ai eu beaucoup de mal. Et en fait, au début, on découvre du coup des nouveaux personnages, on nous parle de choses, etc. On part sur un autre truc. Et ouais, c'était pas évident pour moi hier soir de comprendre les sous-entendus, les phrases. J'ai eu l'impression qu'on parlait d'un personnage, après on parlait d'autre chose. Et il a fallu que je relise, que j'en parle aussi avec mon compagnon qui a déjà lu le livre, pour essayer de m'aider, parce que hier soir j'étais... complètement paumée, donc je vais éviter de continuer à le lire quand je suis fatiguée parce que c'est vraiment pas un bon bail. Du coup j'ai prévu de continuer à le lire, j'espère aujourd'hui au moins une bonne heure parce que aujourd'hui je dois absolument tourner un Read With Me qui sort dimanche prochain, donc il sera déjà sorti à l'heure où vous verrez cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse ce genre de vidéo. C'est la première fois que je le ferai sur la chaîne, c'est vraiment un test. Je sais pas encore ce que ça donne puisque je l'ai pas encore fait, mais ce sera vraiment le test, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait quand vous verrez cette vidéo aussi, pour me donner votre avis justement. C'est toujours intéressant d'avoir des retours sur ce qu'on fait, sur ce qui est intéressant d'améliorer ou de ne pas refaire justement. Et bref, je vais le faire du coup dans le cadre de ce Read With Me, je vais lire ce livre parce que ce sera l'occasion d'avancer justement pour ce vlog et en même temps de faire ma vidéo, donc deux en un, c'est nickel. Et j'en profite pour faire une petite aparté. Je n'ai pas eu de retour à ce sujet, mais moi de mon côté j'ai l'impression que la qualité de vidéo au niveau de l'image, là j'ai l'impression même au retour, que la qualité elle s'amoindrit. Genre j'ai perdu en qualité, pourtant je n'ai absolument pas changé, j'ai rien changé. Et je comprends pas trop, je ne sais pas ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à me dire si vous de votre côté sur les dernières vidéos... vous avez remarqué une baisse de qualité au niveau de l'image, parce que moi je comprends pas, j'ai l'impression en fait que j'ai rien changé et que pourtant il y a un truc qui s'est passé, puisque j'ai l'impression qu'on voit un peu plus flou, en tout cas beaucoup moins net qu'avant, donc c'est peut-être complètement moi, est-ce que c'est moi de mon côté, je sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez remarqué quelque chose, si ça vous gêne ou pas, j'essaierai de voir d'améliorer
Bah voilà, voir ce qu'il faut que je priorise justement parmi les améliorations à faire pour la chaîne. Et je pense qu'il y a de ça aussi qui me fait me lever les yeux au ciel à ce moment-là, ce passage-là, si vous voulez aller le lire du coup, entre 88 et 100 de cette édition-là. Petit update, vraiment très petit, puisque j'avance à rien, j'en suis à la page 114. Ah, il est rentré. Bonjour. Hop. Je disais donc, j'ai ce... Il y a un moment là dans le livre qui m'a fait lever les yeux au ciel. Donc entre la page 88 et 100, le passage avec Alia. Et ce côté un peu... les hommes comprennent tout de suite, juste parce qu'une femme s'entraîne nue, qu'elle a besoin d'un homme dans sa vie, qu'elle a des tensions sexuelles de dingue. On rapproche du coup l'être humain de l'animal. Donc ça, je sais pas trop encore dans quel but. Je sens qu'il y a un but, je sens qu'il y a quelque chose, mais je n'arrive pas à pointer, à mettre le doigt en tout cas sur pourquoi on met ces instincts un peu animaux, animal sur... sur le personnage de cette façon, pourquoi on montre à quel point elle n'arrive pas en fait à prendre le dessus sur ses pulsions, vraiment comme on pourrait dire d'un animal, même si... alors certes, l'être humain est un animal parmi tous les autres animaux, mais dans le sens où normalement on arrive à prendre le dessus sur ses pulsions, etc. Et ça m'a un peu fait lever les yeux au ciel à partir du moment où les hommes sont arrivés et ont vraiment... tout de suite, dès qu'ils l'ont vu s'entraîner à pleine puissance comme ça, nue, c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait qu'ils l'ont vu nue et tout de suite ça a été waouh, elle s'entraîne vraiment dur en étant nue, donc forcément elle a besoin d'un homme dans sa vie, ça m'a... Non. Autant passage juste avant où le personnage féminin du coup nous explique un peu ce qui se passe dans sa tête, ce qu'elle ressent. Là oui, mais vraiment ce passage là, ça m'a fait lever les yeux aussi, elle me dit, mais... Oh. Il n'y a pas besoin d'un homme pour dire quoi faire ni pourquoi, mais bon, c'est souvent comme ça malheureusement. Et je tenais aussi à vous dire que, rien à voir avec l'histoire, j'ai appris que Frank Herbert n'a pas écrit seul. J'ai appris que Frank Herbert aurait écrit avec sa femme. Est-ce que vous voyez le nom de sa femme quelque part? Non. Donc je trouve... ça m'étonne même pas en vrai, c'est tellement, tellement commun, je veux dire, voilà, hein. On invisibilise les femmes de façon assez forte, n'est-ce pas, et voilà, mais ça me saoule un peu que du coup, si c'est vrai, si vraiment, enfin ça peut que être vrai, parce qu'on m'a dit que c'est ce qui est écrit dans l'une des préfaces par le fils de Frank Herbert, donc je me dis que si c'est vrai, si sa femme à Frank Herbert a mis la main à la pâte, pourquoi est-ce que dans les nouvelles rééditions, à aucun moment il est fait mention que cette œuvre n'est pas seulement due à Frank Herbert? Pourquoi est-ce que au moins il n'y a pas son nom devant? Même juste dans une préface, juste dire qu'elle y a participé, que... Voilà, je sais même pas son nom, en fait, je trouve ça extrêmement dommage que même aujourd'hui on continue d'invisibiliser comme ça une femme qui du coup de toute évidence a participé à cette œuvre, a su donner des idées, peut-être même écrire des passages entiers. Ça me semble tellement important aujourd'hui de montrer que bah, bien souvent en fait les hommes on croit qu'ils ont tout fait tout seuls et en fait que nenni, pas du tout, donc voilà. C'est juste, voilà, j'ai appris ça, donc je tenais à vous le dire, voilà, parce que de toute façon, j'ai pas grand-chose à vous dire, parce que je ne lis pas, donc... j'avais déjà filmé, et déjà, je vous avais parlé un peu de tout ça, de ce que je viens de vous dire, mais... alors, il y avait le meilleur des mésotéifs, c'est super beau. Mais j'étais brouillonne, j'étais... ouais, mes idées étaient pas claires, et moi-même, je m'embrouillais. Donc, je pense pas que je vais le mettre, ce passage, parce que... bah voilà, là en 4 minutes je vous ai déjà tout dit ce que je voulais dire alors que la dernière fois j'ai dû faire un quart d'heure, donc voilà, je préfère autant revenir une fois mes pensées plus cohérentes, on va dire, et plus comment on dit, bah plus courte tout simplement, plus concise, on va dire ça comme ça. Donc au niveau de l'histoire là, j'avance petit à petit, donc franchement j'ai vraiment pas suffisamment avancé pour pouvoir dire, voilà. On voit de nouvelles trames, de nouveaux personnages, de nouvelles trames politiques, toujours, donc ça j'aime beaucoup
toujours l'écriture de l'auteur, l'écriture dans cette œuvre, du coup, est hyper, hyper agréable pour moi en tout cas. Donc j'aime beaucoup. Et là, je fais attention à ne plus trop lire quand je suis fatiguée, du coup. Mais c'est beaucoup plus compréhensible. On a les personnages. Voilà, comme pour les chapitres, il m'a effectivement un peu perdu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais m'en aller faire le montage pour la vidéo, la prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout pour moi. Et j'espère sincèrement pouvoir finir ma lecture avant la sortie de la vidéo. Parce que là, de toute évidence, on lit pas. Mais la vidéo, elle est prévue pour le 28 février. Et j'avance pas. Donc, faut que je me bouge. Faut vraiment que je me bouge, sachant que ce week-end, je suis même pas à la maison. Bah, à partir de ce soir, en fait, je suis pas à la maison. Donc, voilà. Il va falloir que je me bouge, là. There's still some bits of love in me. I like to give to whoever that would take it as it is. I said je l'ai enfin terminé. C'est bon, ça fait quoi, 3 semaines que je suis dessus. C'est bon. J'ai eu bien du mal à le lire, pas parce que le livre en lui-même, hein, mais juste. Là, ce mois de février, j'ai pas du tout été dans le mood de lecture, donc bah tant pis, là j'ai mis 3 semaines à le lire. Et j'ai enfin terminé hier soir, du coup, donc dimanche 25 février, il me semble. Et écoutez, donc c'était une relecture celui-ci, donc bah forcément je connaissais déjà la fin, mais j'avais quand même oublié énormément de détails, donc ça m'a bien rafraîchi la mémoire là de pouvoir les lire, et j'espère entamer la suite dans les semaines à venir quand même. Ce serait bien pour pas que je roublie à nouveau ce qui s'est passé et pouvoir mieux profiter de la suite. En soi, au niveau de l'histoire, j'ai pas grand chose à raconter, il y a rien qui m'a heurté, qui m'a particulièrement marqué pour que j'en prenne note. Et surtout, vu que ça s'est fait au fil du temps, sur ces 2-3 semaines, je sais pas trop, bah c'est vrai que là, j'aurais dû plus noter pour le coup ce qui m'a marqué pendant ma lecture, parce que là, il n'y a pas grand-chose qui me revient. J'aime toujours autant Paul, je suis un peu quand même mitigée sur son personnage, j'avoue, dans ce tome. J'ai du mal à le comprendre sur ses décisions. Il y aurait que moi, je lui aurais fait faire autre chose, mais voilà, donc c'est assez particulier au niveau de Paul. Alia, je l'aime de plus en plus, plus on avance dans la lecture et plus j'aime son personnage. J'aime beaucoup la façon dont elle est menée et surtout, j'aime bien le fait qu'elle soit à la fois, c'est pas personnage principal, mais on la voit quand même suffisamment. Et je sais pas comment expliquer, mais la façon dont ce personnage est mené, j'aime beaucoup. Donc au départ je l'aimais pas, et puis bah à la fin je me dis je l'aime bien. Donc voilà, il y a ce petit truc qui fait que, je sais pas, j'aime bien, j'aime bien comment ça a été mené. Ah oui, avant que j'oublie, je vous ai parlé dans le rush précédent il me semble, du fait que potentiellement l'auteur avait écrit avec sa femme. J'ai donc fait mes recherches parce que ça me turlupinait ce truc. Et je me disais quand même, on n'entend parler nulle part, c'est vachement bizarre en général, il y a quand même des gens qui en parlent à droite à gauche. Et donc d'après mes recherches, en fait non, il l'a bien nommée comme collaboratrice, mais en fait c'est pas parce qu'elle a écrit avec lui, elle a trouvé le titre d'un livre du tome 6, je crois, de mémoire. Elle a trouvé le titre, c'est elle qui l'a eu. Elle l'a beaucoup aidée en fait, dans le sens où elle a repris un emploi à temps plein pour pouvoir permettre à Frank Herbert de se consacrer entièrement à ses écrits. Donc voilà, pour remettre les choses au clair, du coup c'est ça, elle n'a pas écrit les œuvres avec lui, elle n'a pas co-écrit Dune, mais par contre elle a suffisamment donné de sa personne pour que Dune existe, en tout cas aussi rapidement on va dire, parce que je pense que sinon ça aurait peut-être quand même existé, j'en sais rien. Mais donc voilà, si vous vous demandiez, si vous voulez savoir, j'ai fait une petite recherche, et c'est juste ça, c'est juste elle a trouvé un titre,
elle a été assez présente pour l'aider, mais ça ne va pas plus loin que ça. Même si on va pas se mentir, c'est déjà pas mal. Du coup, pour l'histoire en elle-même, c'est tellement différent du tome 1 et en même temps pas tant que ça, mais c'est suffisamment différent pour que... Voilà, c'est différent. On peut pas dire autre chose, c'est différent. Les personnages sont 15 ans plus vieux. Voilà, tout est différent. On abuse moins de la voix, on a moins ce côté Bene Gesserit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, tout est tellement différent. On est tellement axé là sur... C'est pas l'intimité, c'est pas le bon terme, mais... la psyché des personnages, sur ce qu'ils pensent en eux-mêmes, sur ce qu'ils imaginent, sur ce que Paul voit avec ses visions. Voilà, on est vraiment à l'intérieur de la tête de Paul, beaucoup plus que ce qu'on a été dans le premier tome. Là, je trouve qu'on est vraiment axé sur ce qu'il se passe dans sa tête. Et donc voilà, c'est vraiment complètement différent. J'ai toujours ma préférence pour le tome 1. Je sais pas si c'est le fait d'avoir découvert l'univers vraiment dans le tome 1, et du coup j'ai ma petite préférence, mon cœur va au tome 1. Celui-ci, il est très très court, on passe quand même d'un tome 1 qui est vachement limite le double de celui-ci à celui-ci qui est très court, on est à moins de 300 pages, d'où le fait que je pensais le lire très clairement en, allez, maxi 5 jours, en lisant 50 pages par jour, c'était faisable, et en fait, non. Bref. Donc voilà, c'est complètement différent du premier tome. Donc ce vlog va être très court parce que déjà je l'ai fait sur le long terme et en plus vu que ma lecture s'est faite aussi sur le long terme, à mon avis un peu plus fouillé, moins pas travaillé, mais voilà, moins sûr de moi en tout cas au niveau de ce que j'ai pensé de ma lecture parce que j'ai pas pris de notes sur ces 3 semaines et voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une très très petite lecture. J'aime toujours autant l'univers, ça c'est sûr, mais c'est radicalement différent que le tome 1, du tome 1. Donc je vais vous laisser là et ce soir, je pense que à l'heure où la vidéo va sortir, Dune est sortie, donc je vais très probablement au moment où sortira cette vidéo être soit dans le cinéma, soit en route pour aller au cinéma pour voir le film, le Dune 2. J'ai trop trop hâte de le voir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous allez aller voir Dune, si ça vous intéresse, si vous avez vu le tome 1 ou pas. Si ce vlog vous intéresse, là j'avoue qu'il est, très certainement très très court, j'en suis désolée vraiment. Et voilà, donc dites-moi tout ça, dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi si vous comptez lire cette saga si c'est pas déjà fait, si vous l'avez arrêté, enfin dites-moi tout à propos de cette saga vis-à-vis de vous, de ce qu'il se passe de votre côté. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me rends compte du coup en voyant les rushs du tout début que tantôt quand j'ai fait la vidéo, le dernier rush, j'aurais pu ajouter quelque chose concernant le rôle d'Alia, concernant Alia tout court, ou plutôt ces pulsions, ces tensions sexuelles dont je vous parlais au tout début du Reading Blog. Alors je vous disais du coup que on avait tout un chapitre entier concernant ces tensions et ces pulsions sexuelles de ce personnage féminin, que potentiellement j'espérais, en tout cas parce que je ne comprenais pas sur le moment, sur le fait, j'espérais du coup avoir des réponses un peu plus tard, et le un peu plus tard, je n'ai pas eu les réponses que j'escomptais malheureusement. Donc en fait ça m'a un peu laissé, on a peu de réponses sur un chapitre entier sur le phénomène qui survient quand même au début du livre, donc ça m'a potentiellement, enfin ça m'a quand même assez gênée, et je m'en rends compte en revoyant du coup les rushs du début que effectivement ce gros truc on le voit et on n'a pas de réponse du tout au cours de ce livre, donc j'espère que ce sera dans le tome prochain. J'ai déjà moi personnellement quelques éléments de réponse parce que j'ai fait pas mal de recherches sur les œuvres, que j'en ai parlé avec des gens, que j'ai regardé des vidéos sur le sujet, et surtout parce que moi, on peut me spoiler un livre, très franchement, ça ne me gêne pas du tout. Tout comme les séries, très souvent, on peut me les spoiler, ça me... Voilà, je fais pas partie de cette team de « non, non, ne me dites surtout pas ». La plupart du temps, je m'en fiche, en fait, ce n'est pas... C'est pas tant le dénouement, le « waouh » à la fin qui me fait apprécier une lecture, c'est plutôt l'ensemble. Donc voilà, pour moi, c'est pas trop grave, du coup, de me spoiler. Donc c'est pour ça, là, je connais, moi, l'élément de réponse, mais...
Je ne l'ai pas eu dans cette lecture en tout cas. Donc voilà, comme je vous le disais, on a vraiment un chapitre, enfin énorme. On a au moins, au minimum 10 pages du livre au début, je pense que c'est vers les 3 premiers chapitres, 4 peut-être. On était vers la page entre 80 et 100 de mémoire. Et du coup, on est sur un livre qui a moins de 300 pages, je crois 260 et quelques. Donc quand même, on n'est pas à la fin du livre quand on nous en parle, on n'est pas non plus franchement au milieu. Je suis un peu nulle en maths. Mais du coup, très franchement, je m'attendais vraiment à avoir une suite, en tout cas, de cet élément, et pas du tout. Donc attention, là, je vais vous spoiler, donc si vous voulez rien savoir du tout de ce qu'il se passe ou pas, bah, arrêtez la vidéo là, tout simplement, parce qu'il n'y aura rien d'autre à part ça. Donc voilà, donc pour ceux qui sont restés concernant eh bien, cette tension, cette pulsion sexuelle, le pire dans tout ça, c'est qu'arrivé à la fin, j'ai pas d'éléments ou peu d'éléments de réponse, peu d'éléments de réflexion sur le sujet, sur pourquoi elle a ces tensions, ces pulsions qu'elle n'arrive pas à contrôler, ou en tout cas qui la bouffe littéralement de l'intérieur. Il se passe un truc, on a peu d'éléments de réponse, mais en plus, attention spoiler encore une fois, et ben on arrive à la fin du livre, elle n'a absolument pas assouvi ses pulsions, son désir sexuel. Et bon, ça se termine forcément sur une scène où on se doute bien de ce qui va se passer dans le tome 3 et on se doute bien du coup que on aura la réponse dans le tome 3 au début, je pense. J'espère en tout cas. Donc pour moi, le tome 3, ce n'est pas une relecture. Pour le coup, ce sera une découverte. Donc à voir. Mais voilà, je tenais à revenir sur ce sujet parce que c'est vrai que je n'y pensais plus quand je vous aurais fait du coup le rush tantôt. Et c'est pourtant un truc qui m'a beaucoup marqué au début de ma lecture, donc voilà, je tenais à vous en reparler et à vous dire qu'effectivement j'ai toujours pas l'élément de réponse dans ma lecture, donc à voir dans le tome 3 si ça arrivera. Mais comme je vous disais, moi je connais déjà l'élément de réponse pour avoir fait mes recherches et en avoir parlé avec des gens autour de moi. Mais voilà. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.